Avant de commencer, il te faut préparer les photos que tu veux mettre dans ton livre. Il te faut les scanner. Puis, tu dois les ranger dans un dossier sur ton ordinateur. Tu te connectes maintenant sur le site photobox.fr et tu cliques sur « Inscrivez-vous ». Tu arrives ici sur un formulaire relativement classique où tu vas devoir renseigner ton prénom, ton nom, ton adresse email et choisir un mot de passe. Tu peux également choisir, si tu le souhaites, de recevoir les offres commerciales de la part de Photobox. Ici, je clique sur « Non ». Il te reste simplement à confirmer ton inscription grâce à l'email qui t'a été envoyé. Tu es maintenant inscrit sur le site Photobox et tu dois choisir le type de produit que tu vas créer. Dans le cas présent, nous allons choisir d'imprimer un livre photo. Tu cliques ici sur le bouton Création instantanée. Et tu rentres maintenant dans un processus de création de ton livre. Tu vas commencer par ajouter les photos que tu as préalablement sélectionnées sur ton ordinateur. Donc, tu choisis les différentes photos. Et tu vois que cette photo apparaît maintenant dans ta sélection. Il te faut répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Tu disposes maintenant de plusieurs photos et il est temps de créer ton livre. Alors, Photobox t'envoie un message pour te dire qu'il te faut au minimum 26 photos pour créer un livre et que jusqu'à présent, il y a des pages vides. Ce n'est pas grave, nous allons tout de même voir comment faire pour remplir les premières pages de ce livre. Tu arrives maintenant sur la couverture de ce livre sur laquelle tu peux ajouter un titre. Nous allons par exemple, dans ce cas, l'appeler « La rue de ma mémé » en 1920. Tu cliques sur le bouton vert pour valider et tu passes à la page suivante. Tu peux ainsi feuilleter ton livre et sur chaque photo qui se trouve sur chaque page, ajouter des commentaires, un titre, du texte. Par exemple, ici, nous allons écrire « Que de souvenirs dans cette rue ». Tu cliques ensuite sur la flèche de droite pour passer à la page suivante. Nous allons ajouter un commentaire sur cette photo de locomotive, par exemple, une bien vieille locomotive. Tu peux modifier la mise en page de ce texte. Pour cela, il te faut surligner le texte, changer la police, par exemple, modifier la taille pour que ce soit bien lisible. Là, je vais choisir une taille assez grande. Et puis, je peux également modifier la couleur de ce texte. Voilà. Je clique à la fin sur « Insérer ce texte » et tu vois maintenant ce texte qui apparaît. Je vais faire de même sur la série de photos qui se trouve à droite. Je l'appelle « La famille au grand complet ». Même procédure, je surligne le texte, je change la police et je change sa couleur. Je clique enfin sur « Insérer le texte ». Voilà, tu as maintenant compris le principe, Alicia. Il faut que tu continues cette opération jusqu'à ce que tu aies le nombre de pages nécessaires, puis tout simplement effectuer le paiement en ligne.